un CD. Donc on a commencé les cours le 5. Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'Hispaniques à Taïwan. Ouais, c'est ça. Sinon, la bourse, ça passe. Merci. Toi, ne mettez pas peur. Le prochain. Continuez. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Koutou Odilon. Je suis là pour un master en système d'information. Et je suis à Sinchu, à la National Tsinghua University. Concernant mes premières impressions à Taïwan, déjà, je n'ai plus envie de repartir au pays. Ah bon? Il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué ici à Taïwan. Oui. C'est quoi et quoi? D'abord, c'est l'organisation, la discipline. Tout est organisé, tout est discipliné. On sait. Donc, c'est vraiment l'organisation qui m'a tiqué. Et deuxième chose, c'est la technologie. Oh. Donc, ils sont vraiment avancés. Je pense que sur ce point-là, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Concernant la bouffe, on essaie de s'adapter, même si les goûts sont assez différents des nôtres. Bon, je pense que c'est tout. Hein. Ok, merci bien. Ah, oh, oh. Ce serait bien si vous pouvez repartir au pays parce qu'on aura besoin de votre compétence. Ok, le prochain. Bonjour, moi c'est Ali Ouattara. Bon, il dit que je m'appelle Ai Weili. Je suis là pour un bachelor en énergie renouvelable. Bon, il faut dire que Taïwan c'est un pays de référence hein, en matière d'infrastructure et bon, de beaucoup de choses quoi. Beaucoup de choses. Bonjour la famille, je m'appelle Fernand Razak. Bon, à vrai dire, je ne peux rien dire concernant ma filière, puisque je quittais avec l'intention de venir faire un bachelor en business administration. Mais dès que je suis venu ici, j'ai appris qu'on peut faire tout ce qu'on veut, malgré la filière qu'on a eu à faire à Ouara. Donc quand je suis arrivé, vraiment, j'ai pensé à changer de filière. Peut-être que c'est bête comme idée, mais j'espère qu'avec les anciens, ils pourront me conseiller. Voilà. Sinon, mon nom chinois, c'est Keur Reje. Comme impression, je peux rien dire de mieux que les évangiles. Tout ce que je peux ajouter seulement, pas ajouter mais dire encore, c'est la différence qu'on constate. Pour moi, le Burkina, c'est vraiment une très grande différence. C'est comme le ciel et la terre. C'est juste être sincère. Ok. Rapidement, pour la filière, je crois que ça arrive à presque tout le monde. Le changement des filières, il suffit juste de faire ce que tu aimes vraiment. Parce que c'est beaucoup de gens ont eu à changer. Ok. Ok, le prochain. Ok. Moi, c'est Alex Sorbo. Bon, mon nom chinois, c'est Song Parwen. C'est mon nom chinois. Je suis là pour faire un bachelor en mathématiques appliquées. Bon, parce que j'aime les maths. Mes impressions, c'est d'abord, ça a bousculé mon programme de sommeil. Je n'arrive pas à bien dormir. La nourriture, ça va. Ça peut aller. Et vraiment, je suis impressionné par la technologie ici. Là, c'est vraiment du top. Voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Ousmane Diallo. Je suis là pour un bachelor en business administration. Bon, concernant les impressions, bon, vraiment c'est la bonne foi de venir. Et aussi l'autre dans le pays, c'est vraiment ordonné. Voilà.
C'est sûr. Le suivant. Bon, moi c'est Wedraoro Raoro Blaze. Je suis là pour un PhD en biscuiterie. Bon, il faut dire que Taïwan est une ville qui est bien développée, mais à notre arrivée, j'ai senti qu'il y avait une odeur dans la ville particulière. Bon, mais à présent, je me demande si où est partie cette odeur. Mais c'est moi, je me suis adapté déjà, je ne sais pas. Et aussi, au niveau de certains restaurants, vraiment, il y a des. Les odeurs vraiment moitié un peu nous avons. Bon, mais on espère qu'avec le temps on va s'habituer. Mais peut-être que bon, et comment on appelle, on a eu un mois de cours de langue chinoise à Ouaga. Mais l'ancien nous avait dit qu'on va remarquer un fait particulier à Taïwan. C'est que les dames elles portent des jupes vraiment trop courtes. Ah bah. Voilà, non, parce que. Non, c'est un fait. Non, c'est pas facile en tout cas. C'est une réalité. Ouais, c'est pas facile. C'est une réalité. Bon, donc quand on quitte notre contexte, on vient, on voit ça, c'est choquant. Ah. Mais bon, on va s'adapter. Parce que. Comme c'est un animal qui est en perpétuelle mutation. Hein. Donc voilà, on va s'adapter. Puis bon, ça va aller. Voilà, merci. Ok, merci. Merci. Le voisin de chèque. Oh oui, vas-y. Non. Bonjour les amis. Je m'appelle Yamelo Mohamed. Je suis venu pour un master en finance. Mes premières impressions à Taïwan ici, déjà le décalage horaire me fatigue un peu. Moi particulièrement, je dors en classe tous les jours. Donc j'ai tout décidé, moi si tu me regardes. Donc j'ai décidé de ne plus dormir la nuit. Donc je ne sais pas si vous avez des astuces pour vous adapter pour le décalage horaire. Comment vous avez fait? Tu vas t'habituer. Ils ont décidé de m'appeler ici hier, mon cher. Quoi? Hier, mon cher. Ah, oh, ok. Ils ont décidé. C'est un pays vraiment génial. Et j'ai été touché aussi par la gentillesse de certains Taïwanais. Quand on demande souvent le chemin, ils sont capables de laisser par exemple leur poste pour t'accompagner carrément. Je ne pense pas qu'on fait ça au pays. Hein. Donc, ils sont vraiment respectueux de l'homme. Ça me touche aussi. Merci. Ok. Ah, il n'y a plus de nouveau. D'accord. Merci à tous et à chacun pour la présentation. Je veux juste ajouter que pour ce que presque tout le monde a soulevé les nouveaux, l'impression, c'est beau, oui, c'est tout. Je veux juste dire que c'est bien, mais il y aura l'autre face de la chose que vous allez découvrir par après. L'intention n'est pas de décourager, mais c'est juste pour que vous soyez prêts à ne pas être déçus. Voilà, plus vous allez pénétrer la société, plus vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne se laissent pas voir. Ouais, je... Ok, plus vous... Voilà, l'idée c'est pour dire qu'en tout cas, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses... Actuellement, nous ne voyons pas, mais après, nous allons réaliser, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, ben, c'était pas ce qu'on voyait. Mais ne soyons pas déçus, c'est toujours comme ça, les gens viennent, ils font 5 ans, ils partent sans problème. Voilà, merci encore. Bon, maintenant, c'est divers. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, mais une question à poser à quelqu'un de façon spécifique, je crois que c'est ouvert. Il y a quelque chose. Je suis un peu plus de temps.
nos informations. S'il vous plaît, on aimerait consulter des groupes avant de monter sur le, comment on appelle ça encore, le Macron là. On va consulter des groupes de CNCM et on va désigner des chefs de groupe. Et j'aurais préféré que ce soit les chefs de groupe là soient des anciens. Donc on va prendre, on est combien? Normalement c'est 5 ans. Sept groupes. Ok, donc d'abord on va prendre Nibier, tu prends 5 personnes, mais tu prends parmi les groupes. Et qui encore? Donc là tu prends un groupe aussi, un groupe de 5 personnes. Sylvain, tu prends un groupe de 5 personnes aussi. Oui. Le docteur Sommet, il faut prendre un groupe de 5 personnes aussi. Ça fait déjà quoi, 4, non? Vous, je vais voir derrière là-bas. Et Toé, tu prends un groupe de 5 personnes. Tu choisis mes éléments? Oui, mais de préférable les nouveaux. Oui. D'abri, tu vas prendre un groupe de 5 personnes. Président, ça fait déjà combien? Non. Moi, je suis 5 personnes. Ok, on ensemble. S'il vous plaît, les responsables de groupe là, il faut soulever la main, je veux voir, ça fait combien de personnes, s'il vous plaît? 5. Ça fait 6. Je pense que ça devrait aller. Oui, c'est bon. C'est trop bon. Oui, c'est bon. Donc prenez 5 s'il vous plaît. Où est-ce qu'il parle? Non, tu vas. Ça, c'est dans mon groupe. Qui veut rejoindre mon groupe? Et Daniel, on est deux ici. Ouais, deux. Ok, donc ça fait 1, 2, 3. Quel est là? Voilà, moi j'ai déjà eu mes 5 personnes. Non. Qui n'a pas de groupe? Ok. All right. Mike, t'as dit un groupe? All right. Ou bien tu veux pas me suivre, tu votes pas pour moi. Suis-moi. Follow me. Vous avez dit un groupe? Ok. Ok. Bon. Ok. Tu n'as pas de groupe. Ok. Encore une personne. Hein? Maïa est chez moi. Ah, pourquoi tu voulais la prendre? Alors, ici, il n'y a pas de droit de laisse. Le master ici ne domine pas le master. On appelle ça la rébellion. Ok, ok. Wow, Et j'ai un groupe. Il y a plus grand. Check. Donc, tu arrives. Est-ce que tu as un groupe?